Hey les modules sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Donc je vous emmène avec moi pour mon voyage en métropole. Donc là il est déjà 4h20 du matin, on doit partir dans 10 minutes. Notre avion décolle à 8h. Donc je suis habillée en mode jogging pull. J'ai mis mon ensemble Gryffondor que vous avez vu dans ma vidéo haul. Ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant je vous laisse avec la suite du vlog. Donc le petit room tour en bonjour. Donc là on a la salle de bain avec les toilettes, la baignoire et on a les petits gels douche et shampoing. La salle de bain, un petit miroir, le savon. Ensuite donc là on a toutes les affaires, enfin un endroit avec les bagages et tout. Là c'est une espèce d'armoire avec des cintres, tout ce qu'il y a de plus basique. On a les deux lits avec le téléphone, donc le grand et deux petits. On a la télé. Ici on a un petit bar, voilà, avec bon, on a déjà bu la bouteille d'eau la Evian. Et dehors nous avons la petite vue. Alors ça change de la vue de la Réunion à la mer. Là c'est la vue de la piste et de l'aéroport. En tout cas moi j'aime bien. Donc là je vous retrouve dans la salle de bain. Il est 21h07. Donc comme vous avez vu, on est mangé au resto. Je vous ai montré la chambre. Donc demain en fait on va se lever à 6h30 parce qu'on a la voiture à 8h et il faut prendre la navette pour aller la chercher parce qu'elle est un petit peu loin de l'hôtel. Donc voilà, donc moi je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne nuit. Alors il fait jour encore, il fait jour, c'est très frustrant. Et puis je vous dis à demain. Hey tout le monde, alors nous sommes le dimanche 3 juillet. Il est actuellement 7h38 actuellement. Et là on termine, on a mangé comme vous avez vu tout à l'heure. D'ailleurs c'était très très bon, je veux un petit déj comme ça. Tout le temps, c'est trop bon, la crêpe, la gaufre, c'était tellement, mais tellement bon. Et là, en fait, on se prépare, donc on va se laver les dents, on ferme les valises et tout. Et après, on va prendre le airline Orlival pour aller au terminal 2, pour aller chercher la voiture. On l'a à 8h, actuellement dans 20 minutes, on est... Juste. Donc voilà, d'où je vous laisse avec les images. Hein. Thank you.
Alors, il est actuellement 19h. Oui, je vous ai quitté pendant longtemps. C'est juste parce qu'en fait, quand je suis arrivée chez mes grands-parents, on a tout de suite rentré le bagage. Après, il y a mon tonton et ma tata avec ma cousine qui sont venus. Donc, on a mangé couscous avec des légumes. Donc, j'ai mangé couscous, pois chiches et poulet. Et c'était vraiment une pépite. Et en dessert, j'ai mangé les lapins. C'est les petits Nesquik. Si j'ai une photo, donc je la mettrai juste là. Et aussi, après, on a un peu joué. Enfin, on a beaucoup parlé, je trouve. Et après, on est tout de suite parti chez ma cousine dans sa nouvelle maison qu'elle avait construite. Et on a profité de la piscine. On a mangé la tarte au sucre. C'était une pépite aussi. La tarte au sucre, ça a été fait main. Enfin, ça a été fait maison. En fait, c'est une tarte. Enfin, c'est une tarte normale, c'est un peu comme une brioche. En fait, tu mets du sucre et tu mets de la cannelle dessus si tu as envie. Et la cannelle, c'est... Ah, c'était trop bon. Et puis aussi, quand je suis arrivée ici, ma cousine, elle m'a donné un petit... Enfin, on va appeler ça un cadeau. Donc, c'est dans le sac là. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y avait dedans. Alors... Déjà, évidemment. Attends, le sac, on va éviter de le faire tomber. J'ai eu bébé Edwige. Elle est trop mignonne. Ouais, j'avais la grande que vous avez vue dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, j'ai bébé Edwige. Je vais pouvoir la mettre dans mon lit. Quoique, elle est beaucoup trop belle. Elle est trop belle. Ensuite, j'ai eu. Oh, j'avais pas vu. J'ai eu un masque. C'est pas les masques d'action, ça? Ça, c'est les masques d'action. C'est un masque, ouais, pour le visage. En plus, c'est biodégradable. Il y en a un. J'avais pas vu que j'avais un masque. Ouais, je le découvre en même temps que vous, en fait. Ensuite, il y a aussi un paquet de M&M's. C'est les M&M's Crispy, ça. Ça, c'est des bons M&M's. Ensuite... Il y a un mini Rubik's Cube. Je n'avais pas de mini Rubik's Cube, donc un 3x3. Parce qu'elle sait que j'adore les Rubik's Cubes. Donc du coup, un petit 3x3. Ensuite, alors là, c'est plutôt niveau scolaire. C'est trop beau ce qu'elle m'a pris. Franchement, les fluos, ça c'est pastel. Donc ces mini fluos. Et franchement, ils sont magnifiques. Ils sont hyper beaux. Et des stylos gel, donc des mini stylos gel. C'est bien parce que je recherchais à en acheter. Bah du coup, parce que j'avais dit dans ma vidéo quoi dans ma valise, j'ai dit que j'avais fait une liste de fournitures et j'avais marqué stylos gel dessus. Donc j'ai réussi à ouvrir, donc il y en a 24. Oh putain, mais ils sont magnifiques. Et en fait, t'en as avec des paillettes et sans paillettes. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc ça, c'est sans paillettes. Et ça, c'est avec paillettes. Oui, on voit les paillettes. Oui, on voit les paillettes. Donc, il y a du gris, il y a du jaune, du marron. Mais il n'y a pas toutes les couleurs, en fait. Ah non, mais c'est pas les mêmes. Parce que regardez. Là, t'as espèce de sorte de gris marron et l'autre, t'as pas. Putain, mais c'est grave stylé. Oh, puis, il y a du rouge. Donc, voilà. Franchement, c'est hyper beau. Oh, moi, j'adore. Donc, voilà. Et enfin... La dernière chose, si j'arrive à la prendre, c'est un carnet avec un flamant rose dessus à spirale. Ça, c'est les meilleurs carnets, genre. Perso, en plus, c'est à ligne. Ah, oh, mais il y a des intercalaires. What? C'est quoi ces trucs? Alors, attends. Je vais m'asseoir à la lumière. En fait, un truc comme ça, un sort d'intercalaire rose. Et en fait, t'as une sorte... Attends, de pochette à l'intérieur. Je connaissais pas. Bon, écoute, je découvre les choses en même temps que vous. Donc, franchement, mais c'est que rose. Oui, il y en a trois. Il y en a trois différents. Bah, c'est comme mon carnet ours que vous avez vu dans ma vidéo une semaine avec moi. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Et ce qui est bien, c'est que c'est à ligne. Et aussi, ma grand-mère, en fait, elle m'avait acheté un marque-page Harry Potter. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est artisanal. J'ai la preuve.
Voilà, c'est dans cette petite enveloppe là. Et en fait, ça se voit que c'est artisanal parce qu'en fait, les coutures, elles sont pas droites. Donc du coup, je trouve ça hyper beau et c'est mon amoureux dessus. Vous savez que j'aime Harry Potter et là, c'était... Oh, c'est magnifique. Personnellement, il est trop trop beau. Et il y a un petit truc rond comme ça, genre au moins quand tu le mets et que le livre, il est grand, et bah tu peux voir ce qu'il y a en bas. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout un peu ce qui s'est passé depuis que je vous ai quitté. Bah, je vous avais montré qu'on était arrivé, mais je vous avais pas filmé autre chose parce que bon, hein, je ne filmerai pas ma famille. Mais voilà. Hey, donc là, je vais vous quitter parce qu'il est actuellement 21h53 et je dois aller me coucher. Je vais peut-être lire un peu mon manga One Piece. Et puis voilà, donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton juste là. Et en tout cas, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao !